Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec équipe Bomba TV a depuis Bomba de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous va développer deux points pour une information, mais avant de nous faire ça, équipe Bomba TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bomba TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bomba de police, équipe Bomba TV a nous apprécié ça. Et si c'est premier fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bomba TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bomba TV. Et bien, nous pas perdre du temps, nous dérouler avec information yo. En ouais. Président Sénat République là, Pierre-François Sildor salue ensemble mes exécutifs là adopté pour combattre maladie ici en Haïti et puis encourager toute population pour continuer à appliquer consigne autorité yo établi. Et l'autre information nous gain pour porte-parole GPNH là, inspecteur Jonel Vital annonce un partenariat qui existe dans mitan PNH là. Ak société civile là qui pote non concertation sectorielle. Si information ça nous pote pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier à et nous de faire dégâts sur tout le monde. Et c'est ça qui fait fort, tout le monde fait attention parce que pas de médicament pour traiter maladie, pas de vaccin non plus pour traiter maladie. Tout c'est ce qu'a fait. Et ce qu'a fait le bon laboratoire tout partout. Nous voyons que il est tellement important que ce n'est pas un bagage qui est dans n'importe monde. Tout le monde a constaté dans tout le pays que maladie ça a passé, c'est au plus haut niveau de l'État. Nous considérons une saison qui n'a pas dit aucun pays, aucun président pays ne va prendre ça au sérieux. Maladie au sérieux. Et c'est ça que nous constatons là, quand nous tout, le président pays, le gouvernement, ensemble avec tout sa famille, a fait effort pour mettre un dispositif de prévention pour empêcher la maladie à faire trop de dégâts. C'est comme si son avantage nous a gagné. Le fait que nous regardons ça passer en Chine, ça passer en Italie, ça passer en France, ça passer en Espagne, ça passer dans tout le pays actuellement aux États-Unis, qui n'est pas pour frapper nous comme ça. C'est comme si c'est une chance pour dire nous, fais attention. Mais ça, maladie, ça n'a pas fait. Mais ça l'a fait, fais attention, prends précaution. L'ancienne Organisation Mondiale Santé dit pour le faire pour combattre la maladie. Parce que dans tout le monde qui est un peu crédible, c'est comme si ce président Jovenel qui a dit Balala, c'est comme si ce ministre Santé Publique qui a dit, c'est comme si le docteur Adrien, le docteur Pape qui a dit non. C'est un bagage qui frappe tout le monde et même qui a su maladie. Que ce soit docteur, que ce soit le monde qui a proposé le médicament dans la pharmacie, que ce soit le monde qui a fait analyse dans le laboratoire, ça veut dire, mais ça peut faire mes précautions pour prendre. Donc, ce n'est pas une affaire. Un président, ce n'est pas un affaire, un ministre. Je dis, jamais à venir, étant donné que nous n'avons pas de médicaments pour lui-même, nous n'avons pas de vaccin, mais précaution nous prenons, nous avons lavé souvent avec savon, nous avons évité foule, nous avons mouché, mouché dans le coup de bras, nous avons mouché dans un papier, nous avons jeté. Je dis, nous éviter foule, éviter accolade, parler éviter tout côté de la pour le monde et l'autre consigne que santé publique d'ailleurs, pas docteur. Même samedi, nous là, c'est même ça m'a suivi tout. C'est toute consigne santé publique prend qui consigne que OMS baille qu'on a suivi nous-mêmes. Je me l'ai dit à venir, je dis qu'on va éviter de foule, laver main, pour précaution, tout ça, santé publique dit. L'État haïtien prend l'ensemble de disposition, même j'ai avec l'État payé très et tout. L'analyse, la consultation est faite avec le secteur, nous, l'église, l'école ferme. Le point de disposition ferme l'école. C'est pour empêcher tout les dégâts qu'a fait rapidement sur ce monde, sur le secteur éducatif là. Nous fermons l'église après discussion avec les leaders religieux, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, que ce soit vaudou, toutes, nous disons bas ce rassemblement pour éviter. Le secteur privé, côté après nous avons travaillé dans Sonapi, nous avons fermé le tout. Et bien quelques entreprises, mais entreprises petites qui ont quitté le travail. Il a interdit rassemblement sur place publique, il a interdit là, il y a une disposition qui prend
pour empêcher les gens infectés davantage. Et on prend plus de mesures pour accompagner la population. Pour qui ça a demandé toute collaboration ça? Pour qui ça a demandé tout le monde veiller sur tout ça? Parce que, là, nous avons ça qu'a fait dans le pays, qui a plus de moyens économiques, qui a plus de structures sanitaires, c'est-à-dire qui a l'hôpital, qui a l'hôpital qui est bien équipé, ça l'a fait. C'est pas nous-mêmes, dans le pays d'Haïti, côté structure sanitaire, nous défaillons, nous manquons l'hôpital, nous manquons la banque, nous manquons toute bagaille. Là-dedans, c'est pas nous-mêmes qui pouvons faire ça. La bon temps avant l'épidémie, c'est que la santé a fait le problème. Nous comptons, il y a plein pour toi, gaz, il y a plein pour nous qui allons accoucher, c'est à temps l'hôpital. Nous avons un gros hôpital général, là, dans 10 ans, pas qu'on a fait une construire. Les structures en province, les mêmes problèmes. Ça veut dire que nous ne sommes pas préparés du tout. Côté qui prépare, nous avons des gars à faire, c'est pas nous-mêmes qui pouvons faire attention. Donc, nous-mêmes, il faut nous faire attention parce que nous pas de structure, nous pas bon. Deuxièmement, nous pagons suffisamment l'argent. Nous battons des cent pour goût l'argent qu'a parlé. Mais l'argent, là, on dit, vite. Là, un pays dit, la mettez 2000 milliards de dollars dehors. La mettez 1000 milliards de dollars dehors. On dit, vite. Mais ça pire zéro de elle. C'est 2 zéros de elle. Ça pire en pile l'argent. Et malgré tout, dans l'argent, ça, il partage l'équipement pour répondre à besoin maladie, à problème maladie. Voir pour nous-mêmes qui pas tout le monde ça. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes, à tant de précautions pour nous prendre, il faut que nous prenions en pile précaution pour nous sauver. Ça, il nous a sauvé. Semaine dernière, le président pays a installé le comité multisectoriel. En gros mot. Ça veut dire que son comité contrôle dans plusieurs secteurs là-dedans, tous secteurs qui concernent la médicament, la maladie, multisectoriel. Ça veut dire que la santé publique comme responsable, mais la santé publique par rapport à lui, il faut intégrer le travail tout, qui cherche travail avec collectivité à eux. Il faut travailler le public travail tout. Faut la police nationale travaille tout, faut la médaille travaille tout, faut affaires sociales travaille tout, puis à bail manger. Faut mettre un secteur privé à cap bail contribution là-dedans tout, c'est ça le début du secteur de la grande secteur qui là-dedans. Faut l'immigration travaille tout, puis à déporter le monde. Faut nous rééquipement ça a gagné, nous sommes contents de la commission ça. Et il y a une crise comme ça. En général, il faut un gros comité comme ça, l'idée ça est un plan de contingence pour le faire. Plan de contingence pour nous dire la situation aujourd'hui, nous avons évoqué demain, qui j'en prends ma dynamique pour nous adapter ma famille, son le plan de qui j'en ma pas juste sur le terrain. Je ne parle pas seulement, ma province tout. La même plan de contingence, qui j'en maintenant me répartit plan de contingence en sous-plan dans chaque département. Je me connais l'homme qui va te porter au prince, mais ça va faire, mais là on va se frapper, mais ça peut le faire, mais là on va frapper, mais ça peut le faire. Ça, c'est un plan de contingence, pour décentraliser en sous-plan. L'autre point, nous allons mettre le plan de contingence pour informer la structure là. Et nous n'avons pas qu'à qui plus important là, structure interministérielle, les amis, structurelle ça, c'est organe de communication. Faut lui donner un organe de communication qui est très actif. C'est organe de communication qui travaille par ensemble, lui va avec l'autorité pour sensibiliser, lui va avec collectivité territoriale, la magistrat, la commune, AZEP, KAZEP, ce communal là, l'autre lui de tout bas. Faut que lui aille pour lui dire. Faut le faire hop, saute en haut, descend en bas, mais il faut ramasser l'information des bâtiments pour monter pour qu'il y ait une crise de crise là. L'autre point qui est important, c'est que la femme quand elle est là, comme vous avez dit, la femme comme ça, combien de docteurs je dis là, combien de docteurs, c'est-à-dire combien de scientifiques je dis là, qui a travaillé en question qu'on a dit ça, combien de docteurs pour débattre de ça, combien de filles, combien de personnel de soutien, combien d'ambulances, combien de chauffeurs qui pouvaient veiller si jamais on problème de sa tête. Ça, c'est Port-au-Prince. Ça, c'est l'Ouest. Mais et si on apprend le Nord, et si on apprend la Tibonite, et si on apprend le Sud, qui gens vont organiser ça?
rentrer en contingence. L'information, ça, c'est cellule communication qui permet de nous aller by tout ça. Nous, notre point important, il faut l'État respecter la promesse qu'il fait. Le président dit, nous prenons la moitié salaire à nous qui a travaillé en factorie. Il faut que ça fait. Il dit, il a participé pour payer professeur l'école là, il faut que ça fait. Il dit que il y a des rations alimentaires, il faut le faire de façon organisée et ordonnée. Il faut respecter les promesses que vous faites, engagement que l'État prend vis-à-vis de la population, même s'il y a des petits cash, bail, dans les quartiers défavorisés, il faut que ça soit fait, il faut respecter. L'État a un rôle tout pour la dame. Il dit qu'aller vis-à-vis de nous, que ce soit contractuel, que ce soit employé dans l'État de travail, il faut dégager pour payer nous. Parce que nous demandons nous faire confinement, nous demandons nous de la paille. Il faut que l'État montre qu'il est extrêmement responsable par rapport à l'engagement, par rapport à la promesse que fait la population. L'autre cas qui est important en termes de recommandation, c'est que le personnel médical l'a fait traiter de façon. Parce que l'on dit le placaillement pour ne pas contaminer, en même temps pour ne pas l'hôpital, pour ne pas contaminer un personnel qui médical là. Il faut une attention spéciale par rapport au personnel médical là, tout le personnel. Depuis le monde qui vient prendre madame la société vient, chaque hôpital jusqu'à tout le monde pour le considérer. Et comment on le dit dans couvre-feu? Dans couvre-feu, la police, ce n'est pas nous-mêmes comme journalistes, nous avons quatre membres à mener l'investigation de notre plan. Est-ce que nous devons arrêter la police qui travaille pour forcer nous mettre la caille? Vous êtes obligé de faire ça, non? Encore, il faut une considération spéciale pour le personnel qui est sous le front. Les journalistes toujours sous le front. Sécurité et police sous le front. L'hôpital, la docteur, infirmière, auxiliaire, personnel médical qui a nettoyé, tout le monde sous le front. Donc, il faut une considération pour eux-mêmes, là-dedans. L'autre point qui est important en conversation, c'est le secteur religieux. Continuez encore. Les religieux, les leaders d'opinion, il faut qu'on continue à écouter encore. Syndical, secteur transport, nous connaissons une grosse source de contamination. Il faut qu'on entende avec pour qu'on qui ça a fait là-dedans. Collectivité territoriale, la magistrat, il faut qu'elle arrive côté privé pour tout faire. Nous pensons que l'État fait une gestion rationnelle. Pas de moyens déjà. Ça veut dire qu'il faut rationaliser les dépenses que l'a fait. Tout pas qu'à compter sur le bon encore. Parce que le bon n'a pas problème pas. Le bon n'a pas problème pas. Soit bien, il faut faire une gestion rationnelle et méticuleuse lui-même. Nous faisons une action qui est aux États-Unis, nous faisons ça qu'à parler en France, ça qu'en Europe. Il y a pour nous, c'est pas au même moyen pour nous. Mais nous avons une forme de gestion là-dedans. Une gestion vraiment rationnelle. Et c'est ça qui fait, en temps de crise, par contre, il y a un niveau de centralisation des ressources. Et ça fait tout le pays centralisé au social. D'accord que centralisé, mais en même temps centralisé, il faut faire une bonne gestion, une bonne redistribution de ces ressources centralisées au niveau province, qui forme de décentralisation des services. Les ressources sont centralisées, mais les services sont décentralisés. Pas qu'à prendre l'argent pour faire assainissement, pour Philippe et pour Québec Port-au-Prince. Non, on se sent concentré tout Port-au-Prince, mais on décentralise le service pour le café dans Port-au-Prince. Acteur politique là, même bien content, il va le même tout à protéger les têtes parce que si on va protéger les têtes, même il a contaminé trop de partisans. Il est bon pour continuer très bien à faire. Et il est bon maintenant pour peut-être des critiques constructives. Ça dit que un tel se mentir à faire, ça n'a pas bon, ça n'a pas bon, pas pour ce moment. Mais non, si vous faites un bagage qui n'est pas bon, c'est pour dire que ça peut faire bon. Ce n'est pas condamnation qui est importante pour nous, c'est qu'à son façon qu'à libérer. Vous qu'à libérer avec son capoté, avec papi ou capoté, avec service. Nous devons éviter de respirer là. Mais on a fini pour nous dire, c'est un bagage qui commence. Et c'est ça que tu as l'âme, je parle de côté geste. Tout le monde va mettre les maladies à l'hiver, ils viennent en pic. Même d'appétit, j'ai mis comme ça, il y a à Saint-Octa. Ils viennent en rire à la descente, dans le coup de là. Ok. Minimum qui est. Puisque Santé publique révélait que nous avons 25 cas.
Est-ce qu'on a passé à 100? Est-ce qu'on a passé à 200? Est-ce qu'on a passé à 1000 pour contaminer 50 000? Ce que nous ne souhaitons pas du tout, du tout, du tout. Mais il faut regarder qui j'ai la prévolue. On a souhaité que vraiment c'est notre, notre, ça arrive à tout guérir tout le plat. Mais si l'évolue, c'est dans un mois, dans deux mois, pour un pic, ça a dit c'est nous, nous, pas un malade, c'est un mois de mai. Est-ce que c'est un mois de juin, on parle d'un pic là? Si c'est un mois de juin, on parle d'un demi-mois qui est malade, il faut prévoir ça, c'est ça que nous parlons d'un plan de contingence dynamique. Et supposons que maintenant c'est en juillet ou tout parle pas, vous prenez avec le cyclone. C'est ça que fait la bonne contingence dynamique pour faire à mesure qu'il va y aller, pour faire à mesure maintenant qu'à adapter dans ce bien là-dedans. Autorité dans le pays, comme autorité tout partout, il y a pour les deux populations. Il y a pour les consignes. Il y a pour vous faire attention. Mais tout le monde est même. C'est vous grand monde. C'est vous-même qui responsable foyer. C'est le monde qui est sous sa petite pour faire attention. Le grand monde, la vie c'est pour vous. Faut protéger la vie petite. Et en tant que citoyen responsable, faut protéger la vie de votre monde. C'est ça que fait en même temps faire attention, vous faites attention pour votre boulot tout. Consignez ou appliquez non seulement pour vous, ou appliquez la caillou, et considérez vos dix voisins ça pour sensibiliser. Tout le monde a de côté qu'on a vu ça, mais tout le monde n'a pas connu qui continue même son propre. C'est ça que nous qui a dit de l'autre, nous qui a dit de l'autre, nous qui a dit de l'autre, tout ça. Il faut chaque monde protéger tête. C'est ça que nous voulons mettre corps, veiller corps, c'est nous-mêmes, l'État APD, nous grand monde, en essayer. Je n'ai pas encouragé tout le monde. C'est là que vous avez dit. Et c'est ça que nous voulons, c'est la terre. Je n'ai pas encouragé tout le monde. Suivez consigne. Suivez consigne que le ministère de la Santé publique d'ailleurs. Suivez consigne l'État. Et demandez pour l'État, mettez pour la population, pour comprendre ce que la population, pour mettre tout ça au café, pour empêcher la maladie de développer et faire des dégâts que nous avons fait de l'autre côté pour empêcher ça. Je dis historiquement, table de concertation sectorielle, c'est une initiative qui gagnait plusieurs années depuis l'inspection générale à travail sur lui. Mais avec l'arrivée de l'inspecteur général en chef, ça qu'il a en la personne de Hervé Julien, il était jugé bon pour que lui rapproche la police plus davantage de population. Raison ça a fait que l'État allait auprès des organismes de droits humains qui représentaient la société civile pour qu'ensemble de travail pour être capable de permettre que l'initiative ça lui concrétise présentement. Maintenant, qui ça tape des concertations sectorielles là? C'est le canal de communication qui existait entre la PNH et la société civile. Et décision ça, M. Dil déjà, il prend son obédience de l'inspection générale. Mais ce n'est pas l'inspection générale qui fait partenariat avec la société civile. C'est la police nationale de manière générale. Maintenant, nous avons quatre points. Nous allons débattre sur qui mission table de concertation. Et premièrement, nous dit que c'est une structure qui est créée dans le cadre de la promotion des droits de l'homme par la PNH. Deuxièmement, c'est pour gagner une meilleure harmonisation entre relations qui existent déjà entre la société civile et la PNH. Troisièmement, partenariat ça pral alors l'ensemble de partenaires ça pral travail en étroite collaboration pour y aborder un ensemble de problèmes. Premièrement, les problèmes qui liés aux violations des droits de l'homme. Deuxièmement, ça qui a rapport à question de sécurité publique, parce que généralement la police lui était en dans commissariat et que ces populations elles-mêmes cap victimes de insécurité, et bien faut que population contribue à baisser la sécurité. Comment la contribuer? C'est porter information que les gagnants sur quel que soit individu ou des groupes d'individus qui veulent créer une sécurité non espace donné, informer la police pour que la police soit anticipée pour capable de mettre l'ordre. Et pour finir, on a dit que quatrièmement, il peut permettre tout
on a parlé de table de concertation. Il va permettre une transparence dans la transmission de l'information de la police à la population. Pour qui ça? Parfois, nous pouvons gagner des incidents qui produisent, l'inspection générale lui saisit, lui ouvre une enquête, il y a d'autres organismes de droits humains qui ont même tout ouvert enquête autour du même dossier. Ça, au final, nous pouvons le résultat au département. Maintenant, on peut poser d'autres questions. Pour qui ça, le même dossier, hein, et puis le résultat n'est pas même. Maintenant, nous ne pouvons pas chercher pour qui résultat, qui même, qui résultat pas même, ce n'est pas ça la question. C'est une question de méthode. Parfois, inspection générale, quand on utilise telle méthode qui aboutit à tel résultat, des organisations, ou du moins les organismes de droits humains, utilisent une autre méthode qui aboutit à un autre résultat. Maintenant, pour pallier la situation, ça, la question que le partenariat ça peut résoudre le problème, non, parce que le partenaire peut mettre tête ensemble avec le problème qui pose dans la population, pour ensemble chercher une solution pour capter un meilleur résultat. Et c'est là que nous parlons de transparence et de intégrité de information que ensemble de partenaires arrivent pour le porter dans le cadre de partenariat ça. Parce que bagaille en fait de près ni de loin. Mais ça m'a demandé avec le citoyen PIA qui est présenté le président Jovenel Moïse. Lui connaît bien qui j'en peux la vivre. Comment vous voyez, dans pile côté, qui passait même un petit bouquet ou pas joindre. Quand il y a des machines, il permet tout le bagage fermé. Je ne parle pas du président responsable de toute cause, mais lui connaît comment le peuple a vivre. Même manger qui a gagné pour le produit de la société, le peuple a pas joindre. Parce que moi, je suis quartier Boura et dit pour la rate, même pas j'en connais, je veux nous, nous, qui avons mangé dans un monde qui sont à Zex et de l'égalité. Les gens qui sont pauvres, ils savent pour eux, président Jovenel comme ça. Je ne peux pas critiquer le président Jovenel. Même Aïssa là. En pile côté, moi, bel petit travail avec pétition, je vais vraiment voir. La vie a porté à pile côté, même si on n'est pas prêt. Et nous, nous devons nous faire attention à la maladie. Nous, on ne va pas me cacher, on ne va pas me mais nous, on qui s'en a défendu dans le pays d'Haïti, nous, on qui s'en a défendu dans le pays d'Haïti, nous, on le président. Quand c'est qui est pauvre, qui s'en a défendu. Parce que gagner plusieurs azèques, nous, on est en Pétionville. Nous, on dit qu'il y a un bail, mais nous, on peut pas se faire ça. Qui s'en fait pour le peuple là? On dit tout le monde est dans la caillou, ou pas dans l'hôpital, ou pas dans rien. Qui sont produits pour nous qui dans les derniers temps. C'est ça qui va nous problème. Tout le monde a dit sur quel sauté, ma vie, tout le monde est sous tension, tout le monde, nous sommes dans la vie là. Pas grand chose, nous sommes dans la vie. Nous sommes conquis, nous sommes nés, nous sommes sautés avant, nous mangeons avant, nous sommes bravo, nous sommes crachés avec nous. Nous sommes obligés de camper, nous sommes gardés cette passion. Nous sommes demandés, président Jovenel, en tant que citoyen qui travaille avec nous comme une personne, nous sommes demandés qui sera d'amour, qui nous donne et ça qui va pour nous. Parce que nous ne sommes pas à son côté, nous sommes à manger. Là ben nous aussi beaucoup kit on va connait yo ba yo kit ba yo so da pou ba yo parce que tout le monde a gardé mon qui côté en pile monde en pile bourgeois mettez dans nous mettez correction de tout bagaille vraiment que ça libère en pile côté mais pour m'a gardé non rat bourgeois il va mon kit dit pour pas jamais mon pas zone ça on a promené par la monde pas bon c'est Michel par la vraiment c'est beaucoup kit ba c'est cela il dépense n'importe 440 dollars dans ba courant sans faire quelque petit bagaille quelque monde mais mon beau kit mais de beaucoup kit taille moi le mien maintenant là mon bijap chercher gens pour mettre en l'autre beaucoup quelque monde me demander président pour la non. Je ne comprends pas ce qui s'est passé là. Non, 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 mais la joie là, moi la joie devant, mais même pas où elle m'en doute. Nous avons du travail qu'on a fait pour sensibiliser nous et pour nous que j'aime être capable de permettre que nous prenions conscience de la dimension de la pandémie. Mais malheureusement, on connaît notre tempérament nous, et haïtiens toujours bon tempérament de Saint Thomas, c'est les lois croient. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants qui placés pour que nous sommes capables de protéger nous. Donc, dans ce sens, il y a des mesures qu'on prend, et mesures, parfois, il y a des mesures impopulaires, mais sous pas prendre, et petit à petit, et c'est le cas dans le cadre de la question marché. Donc, nous venons rendre compte, nous venons gagner des marchés qui ont fonctionné, et c'est pour nous que j'aime être capable de permettre que nous prenions conscience de la dimension de la pandémie. Mais malheureusement, on connaît notre tempérament, nous, et haïtiens, toujours bon tempérament de Saint Thomas, c'est les lois croient. Et nous-mêmes, en tant que dirigeants qui placés pour que nous sommes capables de protéger nous, donc dans ce sens, il y a des mesures qu'on prend, et mesures, parfois, il paraît des mesures impopulaires, mais sous pas prendre, et petit à petit, et c'est le cas. Dans le cadre de la question marché. Donc, nous venons rendre compte. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter
dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.